Alors, le résumé du spectacle. Deux personnes partent de Paris pour rejoindre leurs amis à la campagne. Ils leur téléphonent pour leur dire on arrive, mais ils verrouillent mal le portable. Donc, les personnes qui sont chez elles, le téléphone qui sonne, mais le répondeur reste en marche. Ils entendent toute la conversation dans la voiture des autres qui disent que du mal de leurs amis chez qui ils vont. Dès qu'ils sont dans une bagnole, il faut qu'ils disent du mal des gens. Et quand les autres arrivent, les gens qui reçoivent savent tout le mal que pensent leurs amis d'eux. Le week-end s'annonce assez compliqué. Vous savez très bien ce qu'on pense de vous. Oh là là, oui! C'est comme ceux qui disent « J'aime beaucoup ce que vous faites, mais... » En général, derrière le mais, t'es rhabillé pour l'hiver. « J'aime beaucoup ce que vous faites » est une comédie contemporaine, vraiment jubilatoire, puisque c'est basé sur la vengeance. Ah ben maintenant, je penserai à toi à chaque fois que j'irai tirer la chasse. Le public est vraiment complice, comme dans toute grande comédie. Ces connards arrivent chez nous. Moi, je peux pas laisser passer ça. Bon, alors comment on va s'y prendre? On les laisse parler tant que ça nous amuse. Et puis tout à coup, paf! Les personnages sont très différents, puisque ceux qui arrivent de Paris sont très parisianistes, ils travaillent dans la pub. C'était quoi que vous tourniez? Le champion du monde de surf. Elle est très superficielle, toujours à la pointe de la mode. Excuse-moi, Marie. Oui? Qu'est-ce qui est arrivé à tes seins? Tu t'es fait greffer un cul ou quoi? Et ceux qui reçoivent, lui il écrit, il est auteur. D'ici à ce que tu publies quoi que ce soit et qu'on soit pété de bec avec ta littérature, il y a encore de la marge. Hein. Elle s'intéresse à faire de la cuisine. Mon rôti de porc au miel? Ah, d'accord pour la salade à la poire engelée. Donc il y a une confrontation entre deux mondes, qui sont d'ailleurs des mondes qui peuvent s'opposer aujourd'hui. Ça donne la force de la comédie de la pièce. Je rigole, mais je crois que j'ai pas compris.